Wow. Eh ben c'est pas trop le silencio, hein. Je crois qu'on a trouvé un endroit pas trop mal. Bon. Et voilà. La police. La police. Et bonjour. Et bonjour. Nouvelle semaine. Nouvelle vidéo. Nouvelle ambiance. On a changé du tout au tout. On a rejoint l'océan, même si ça n'y ressemble pas, mais c'est l'océan. Voilà. Regardez, piscine naturelle avec vagues. Piscine à vagues. Piscine à vagues naturelle. Allez, bon. On t'expliquera après ce que c'est. On va se baigner? Oui. Allez. C'est elle est bonne? Pas la Méditerranée. Ah, elle est froide. Fais attention, on peut se faire aspirer là-bas hein, quand même. Hein. Oh, la piscine à vagues, hein? Attention! La grosse vague, la grosse vague! Alors, c'est cool ou pas? Oh, la grosse vague! La grosse vague! Première plage. Alors, première plage, c'est la plus petite plage au monde, a priori, parce qu'elle est complètement dans les terres. Et en fait, il y a un petit trou dans la roche qui fait passer l'eau. Et donc, ça dépend de la marée. Un coup, il y a de l'eau, un coup, il n'y a pas d'eau. Et on a et à marée haute, il n'y a pas beaucoup de place, ce qui doit être la plus petite plage du monde à marée haute. Et je dois dire qu'on y est allé pile poil au bon moment parce qu'on a eu la chance d'avoir assez d'eau pour entièrement se baigner. Il n'y avait personne et il y avait des vagues. C'était bien, poulet ? Trop bien. Plage insolite, ça. Hein, et toi, poulette ? C'était cool ? Hélène, elle s'est fait une copine, donc là, oui. Parfait. On va aller. On va reprendre la route et on va aller voir la prochaine étape. Il nous manque que le mojito. Il va arriver. Budiliero. Alors apparemment, c'est un village invisible de la terre et de la mer. Moi, j'ai pas compris. Alors si t'as compris, vas-y. Tu peux le voir que de l'intérieur. Donc on va aller voir ça. Petit village de pêcheurs, très joli normalement. Un gros port avec des grosses vagues quand même hein, devant. Voilà directement. Ouais. Bon ben là il y a trois caravanes. A priori on va se mettre avec les caravanes. Et voilà, on est garé. Parking gratuit, il y a deux trois caravanas. C'est la solution facile. C'est hein, la solution facile. Parce que je pense que à l'intérieur on trouvera rien. De toute façon je prendrai pas le risque d'y aller avec Taloula parce qu'à mon avis. En ville c'est mort. Faisable. Et ben peut-être qu'on dormira là, peut-être pas, on verra. Surprise. Allez, ça c'est une belle digue, non? Ah ouais. Oh t'as vu la vague? C'est sur la route. C'est trop beau là. Allez, RT tsunami. Là ça va mieux. Ça va mouiller. Ça va péter. Wouah. Il y a de la grosse digue là. Hein. Et là, ça y est, tu vois, on commence à apercevoir le village. Invisible. On le voit quand même. Il est vraiment entre deux... Ah ouais, il est au fond, au fond. Et on a bien fait de ne pas prendre la route qui descend par là-bas, je sens. Hein. Des nouveaux voisins. Des Espagnols. On va voir s'ils boivent des coups eux aussi. Bon, je dis pas bonjour. C'est très sectaire le camping-car. Je veux pas offenser personne, hein, mais quand même. Tu sens que camping paradis, eh ben c'est pas la réalité. Bon allez, on va voir ce village invisible ou quoi. Allez. Croirait à pasta panzani, non? Ah ouais, on va manger les pizzas ou quoi? Sont jolies ces maisons, poulettes? Oui, très très beau, franchement. Effectivement, ça on le voyait pas. Et non, je vois même depuis là-bas, on le voyait pas tout ça là. Vraiment,
Bon, en tout cas, pour manger, on va avoir de quoi manger là, je crois. Ouais. Le problème, ça va être de trouver le bon. Et on espère pas tomber sur le pas bon. El Mirador. Ah ouais, là c'est beau là. On a trouvé. On a trouvé. Alors c'est simple, le critère c'est il y a du monde et c'est un restaurant un petit peu caché. Deux critères normalement qui fonctionnent. Allez, le cidre. Allez, à tchèle. Alors oui, j'en ai pas beaucoup parce que le cidre d'ici, c'est pas le cidre de chez nous. Qu'est-ce que c'est ça? Un calamar. Il va être bon? Et avec ton couteau et ta fourchette quand même. Hein. Oh, bah, ouais, allez. Toi, tu as cru qu'on était au bivouac ou quoi? Ouais. Wow, et toi, tu aimes bien toi? On a fini la machine. Comment on dit? Una mas. Allez, là tu prends le crabe direct. Heureusement, il a oublié la pince là-bas. Mais ouais. Ah, bien mangé. Bien mangé, petite et... balade digestive. Ouais, et on s'apprête à aller redormir en ville du coup. Et du coup, on redort en ville. On a trouvé la tactique, pouvoir faire des villes sans louer d'appartement. On arrive dans notre coin, ça fait un peu miteux vu d'ici quand même. Mais pas du tout en vrai. J'espère juste qu'il n'y a personne qui s'est garé côté tente. Pas trop près. Parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait trop de place sinon là. Ça change d'ambiance, hein. C'est pas la nature là. C'est pas la nature. Waouh. Sexy. Petite baignade du matin pour se réveiller. Et surtout qu'on avait dit aux enfants plage toute la journée, mais je crois qu'ils annoncent une tempête. Il y a des vagues de 3-4 mètres qui vont arriver. Et la plage où on veut aller, à mon avis, c'est foireux, donc on va se baigner dans le port. Voilà. Oh, il y a un muge qui arrive. Allez, Léane, viens. Voilà, allez. Bon, les cudiliéros, c'est bon. Le temps il est pas tip top, donc je pense qu'on a bien fait de se baigner parce qu'au moins on a déjà fait une petite activité. Regarde ça. Tempête en France. Voilà, c'est la tempête en France. Moi je trouve ça très joli ce temps un peu gris. Ouais, on avait prévu journée plage, c'est pas gagné. Peut-être ça va se transformer en journée rando plage. Ouais, on sait pas trop. On va voir, on va quand même à l'endroit qu'on avait dit. Oui, parce que cette plage elle est trop trop belle, donc on y va quand même. On change les plans, finalement la plage, c'est pas pour tout de suite. On a trouvé un joli phare, on va au Cabo Vidjo. La plage où on voulait aller, elle est vers là-bas. Et ben là, t'as pas envie d'y aller. Le phare. Beau là, hein. La tempête un peu. Ah ben voilà, la bonne idée. On va se mettre sur le banc, hein. Un banc pour prendre le soleil. C'est trop calme ici. On va voir au bout. La falaise? C'est la falaise! Aïe aïe aïe! Oh, cette tête! Ah. Regarde-moi, regarde-moi! Ah. Aïe. Bon, bah, il y a du vent. Et on y va quand même. Playa del Silencio. On y va. Ça fait journée plage? Allez. Allez, journée plage. Bon, ben, bah, bonne app. Bonne app. Et avec YouTube. On rattrape un peu le retard de toutes nos vidéos. Ça vous va, vous? Oui. Voilà, à la Playa del Silencio. Eh ben c'est pas trop le silencio, hein. Bon, eh ben y a pas grand monde, hein. Non, on va être tranquille, hein. Ah!
Bon, attention le soleil, hein. Qu'on prenne pas des coups de soleil. Le soleil, il tape plein chaud. Regarde, il fait 46 degrés. On avait vu le coup, il en reste 12. Pas le temps de base, je veux plus aller. Moi, je crois que je vais y aller. Allez, chiche. On va se baigner. Ouais. On va jouer dans les vagues. Toi aussi. C'était comment, Babou ? C'était bien. C'était cool ? Oui. C'est trop bien d'aller dans les vagues ? Oui. Je crois qu'il se régale, hein. Alors, Mathis, c'était comment ? C'était trop bien. Grand ciel bleu, on part de là, c'est grand ciel bleu. Oh. Qu'on a trouvé un endroit pas trop mal. Et c'est Andy la patronne. J'aime bien. Quand la patronne elle aime bien, c'est parfait. Santé. On est pas mal là, hein. Petite activité, on empile des cailloux. Hey, c'est joli celui-là en plus. Et il y a de là, c'est vraiment l'équilibre quoi. Mais alors ? J'ai froid, j'en ai marre du vent. On va où déjà nous ? Je sais pas. Kamchatka. Ah ouais, mais parce que rien n'est impossible. Et toi, tu fais des super dessins ? Waouh ! Oh, ils sont trop bien tes dessins. Hein. T'as fait ton siège ? Oula. Tu viens me montrer ? Ça fait le siège de la vie, c'est ça, c'est mon siège. Ah ouais, trop bien. Bon, on va préparer à manger. Allez, burger. C'est le spot hamburger ici. C'est le spot hamburger, ouais. Ah. Pas mal notre cuisine là aujourd'hui. Ah, j'avoue que là on est pas bien. Mal. C'est toi le cuistot finalement ? Ouais. Hop. Ah, le bon steak à la mer. Changement de cuistot pour le montage. Comme ton fils, il en veut pas de ça, donc mets-en nous, à nous. À nous, parce que nous, on en veut. Allez, à table. Bon, à défaut d'avoir les frites. On a les chips. On a les chips, c'est à défaut d'avoir le coca. On a la bière. Oh, Babounette, on t'a fait un burger, il est aussi gros que le nôtre. Bravo la monteuse, hein. Ah, bien mangé. Bien mangé. Ça y est, tous les touristes y sont partis. Ah, la plage pour nous. Tout seul. Et là-bas, c'est là-bas. Et là, petit spot pour bosser, pas trop mal quand même. Hein ouais. Hein ouais. Ouais, bien. On s'entend pas quand même, ça. Je me disais, on n'entend rien. On n'entend rien. C'est l'enfer un peu ces vagues. Bon, on les entend eux quand même. Hein toujours là. Finesse, ils sont toujours là. On n'a pas réussi à les perdre. Pas ça.
On est allé dans les nuages de mouches, on a plein de mouches. Ah ouais, il y a les nuages de mouches là-bas? Oui, là-bas. Ouais, bah allez-y. Voilà, là, c'est très joli. Voici les algues, voici les mouches. Voilà pourquoi on n'y reste pas longtemps. Et bonjour. Ça va, Poulette? T'as bien dormi? Il y a du bruit un peu. Pas mal là quand même. Hein. Pas trop mal, même ça fait un boucan de malade la mer. Bien. Bonjour. Et bonjour. Humide là, non? Alors franchement, quand j'ai ouvert les yeux, c'était super beau. Il y avait un soleil et tout. Parce que là, c'est pas su, c'est la pluie là. Eh, à l'abri, là-bas, hop. Allez, cool, ça. Eh. Bon, café quand même? Café quand même. Ah, tu étais planqué. Je me suis planqué. Alors, la pluie là, du coup. Ah, c'est vraiment un puits de merde. Je croyais que la dernière fois c'était en mode. Bah, aujourd'hui ça me dérange. Et ça fait que une demi-heure là. Bon, après j'ai toujours mon énorme bouton qui me pique. D'ailleurs, on m'a parlé d'un moucheron piqueur. Donc, si tu as des infos, je prends. Histoire, peut-être c'est pas une mouche, c'est des moucherons. Heureusement qu'on s'équipe de haut vent et tout pour la pluie et tout ça. Regarde où est-ce qu'ils vont tous. Ça va, vous êtes bien là-dedans? Oui. Oh, ils lisent et ils dessinent. Oh. Tu vois, au moins t'es tranquille dehors là. Bon, on discute sur les plans. On n'est pas d'accord sur la suite. Bon, et on va probablement s'installer ici. Donc on va sécuriser le haut vent avec des poteaux. Histoire que s'il y a des petites rafales, ça bouge pas. Oh. Qui a parlé de pluie ici? Franchement. Moi ça là. C'est beau, là. On est pas bien là? Royal. Maintenant qu'on a tout banné pour que ça tienne en pleine tempête, il va faire beau. Allez, on va chercher du homard. On va chercher du homard. On va chercher les homards. Ouais. Tu le mets dans ton et petit panier, le homard, quand t'as la trappe. Je sais pas. Tu mets ton doigt, il te pince et hop, tu sors le doigt et non, il est accroché au doigt. Fais voir. Ça se mange mais pas. Ça se mange pas. Viens me la montrer. Oh, elle est belle. Tu t'as trouvé toi? J'ai trouvé ça. Ouais. Mais ça se mange toujours pas ça. Oh. Elle a pris le caillou. Elle est belle hein quand même. C'est pas. Ouais, trouvez-moi c'est pas les mêmes... à manger. Ya, yeah, t'as trouvé plein de coquillages. Oui, toi, ils sont beaux. Il y en a beaux, un hein. Qui sort. Ah ouais? Oui. Oh là là. On t'as trouvé quoi poulet? Ah ouais. Là. Ah ouais. On va tous les prendre. Ouais. Ouais. J'en connais un qui va se régaler. Bravo. La régalade. Les petits, on les prend pas. Eux, ils sont petits, on les prend pas. Non, les petits, on les prend pas. Non, mais les petits, oui. Pour les prochains, ils vont grandir. Ouais. Sachez que là, on les a tous pris. Il y a des pousses-pieds. Oh, toi là-bas, on te lâcherait sur Koh-Lanta, tu nous trouverais des homards. Hein. Allez, il y a la pluie qui revient. Allez. Même si c'est un bel oursin de Galice. Il attrape plein de poulpes là-bas. Et nous, on en a pas un, quoi. Wow, encore un oursin. Ça, c'est de chez nous, ça. Pas de chez nous, mais d'ici, mais... Putain, tu nous lâcherais dans Koh-Lanta, on réussirait à prendre du poids, nous. Non, mais attends, regarde ce qu'on a. Regarde moi ça, ces beaux oursins et tout là. Attends. Wow. Ils sont magnifiques. Magnifiques. Et oursins, les pousses-pieds. Attends. Il nous manque juste le poulpe. Hein. Allez, la plage, elle est comment maintenant? Wow, elle a changé. Ouais. Ça a bien changé là. Hein. On va manger après cette pêche sympathique et on va se régaler. Dernier, celui-là, plein ou vide? Plein. Moi aussi, je vote pour plein. Moi, j'ai dit vide au début, mais j'ai vu des couleurs à travers les trous de ciseaux, là. S'il n'est pas comme chez nous, celui-là, il a des épines, mais elles piquent pas beaucoup, elles sont plus courtes, elles sont moins pointues. Si, dans les commentaires, vous nous dites, ne le mangez pas, il est venimeux, on l'aura déjà mangé. Et si ça t'intéresse, si c'est vraiment venimeux, tu regarderas la vidéo d'après.
Oh, oh lui il est beau. Oh hein. là. Lui il est beau. Oh. Un méga bel oursin là. J'ai jamais vu ça moi non plus. Wow. Étape suivante. Les pousse-pieds, t'es prête pour le chrono hein? Je prépare le chrono. Hop là, et dès que ça reboue, 1 minute 30. Ouais, pas belle cette table là? C'est parfait. Eh, avec ce oursin d'un autre monde, petit pousse-pied. Les petits, petits. Eh, eh petit, petit. C'est l'autre là, tu la lâches sur Koh Lanta. Elle prend 10 kilos. Ah non, je suis contente, c'est trop bien, franchement. Pêche bon, allez. Productive. Oh. Santé. Oh. Wow. Bon, on attaque celui-là pour goûter là. Alors, regarde-moi ces cuillères que tu sors là. Ça, c'est juste une langue quoi. Oh, attends. Mmh. Oh, c'est bon. Ah ouais? Ah ouais, c'est bon. Ça a le goût de l'oursin là, vas-y. Si t'aimes pas, on le mange. Bon, profite qu'il y ait le soleil. On va rester un peu par là et du coup, on a branché les panneaux. Comme ça, avec notre batterie externe, on va pouvoir rester là tranquille, se faire des bons cafés et on recharge tout, on profite de l'endroit. Voilà, on n'a plus besoin de démarrer le moteur. Tout se passait trop bien. On n'a pas filmé, mais on a eu le droit à une petite visite. Bon, ben voilà. La police. La police. A priori, c'est interdit de camper ici. Ils considèrent que la table posée et les chaises, c'est du camping. Ça fait deux jours qu'on est là. On se doutait qu'à un moment, c'est le risque. Ça allait pas le faire. Il y a quand même pas mal de touristes qui passent pour venir regarder la plage. Donc, tout à l'heure, il y en a un qui est venu nous dire que si la Guardia Civile, elle passait, à mon avis, il l'a même appelé. Du coup, bah voilà, c'est le jeu. Par contre, ils ont été très, très cool. Ouais, police très cool. Je leur ai demandé si on pouvait juste manger, parce qu'on est en train de préparer à manger, si on pouvait manger et partir après. Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de problème. Voilà. Et que si je lui ai demandé aussi un endroit pour camper quelque part, il m'a dit au camping. Voilà. Tu nous connais, c'est pas notre truc, on va trouver un autre coin. Voilà, donc on mange et on s'en va. Ce soir, on t'a pas filmé parce que c'est purée mousseline avec un beau steak de thon. Mais voilà, on mange ça et on s'en va. C'est quand même dans ce genre de situation, les enfants, après, ça aide. On est un peu étalé et tout quand même aujourd'hui. Hein. Ouais, toi tu crois qu'on est étalé? On n'est pas trop étalé. On est une table d'un côté et les panneaux solaires All Power juste et là. Et là on a eu un. Et là on a deux trucs étendus. Pas trop l'étalement quand même. Il est tout frais. Un joli steak de thon frais. Toujours face à la mer. Bon ben voilà, on mange en express et on s'en va. Pas finir en prison. Bon. Dernier instant ici et après on va se faire une bonne galère de chercher le spot de bivouac en bord de mer, de nuit. Il n'y a aucun élément qui va en notre faveur là. Le pire, c'est qu'on cherche un bivouac de nuit. Ouais, et alors en bord de mer ici, ça va être chaud. Allez, orange to be. Hop, heureusement qu'on n'était pas dessus. Mes enfants en pyjama. On met les enfants en pyjama, comme ça au moins quand on arrive, ils sont prêts. Allez, hop, on monte. Allez, hop, à ta place. Allez. Vas-y, il est salé le pare-brise. Hein. On cherche un spot, un peu voir jusqu'où on va, si on fait de la route, si on cherche à côté, on cherche des aires récréatives. Comme on a parlé de ça, mais c'est la ville quoi. Oui. C'est une aire de pique-nique, c'est pas fait pour dormir en fait. Ouais, bon bref, on cherche, on s'arrête là. On est sorti de la plage. Toujours assez beau, en vrai on pourrait même dormir ici. Hein. Mais si la police elle repasse, ce sera pas bon pour nous. Bon et voilà, on a repéré des points via Google Maps là, pas loin de l'endroit qu'on veut faire demain. Donc on se rapproche, j'essaie d'arriver avant qu'il fasse nuit pour bien voir et on espère trouver quelque chose. Voilà, on s'est fait virer par la police. Sur la droite. Allez, premier chemin repéré avec Google Maps, on va voir ce que ça donne. En tout cas, c'est bord de mer. Bon, a priori, ici, on ne serait pas tout seul. Bon, étant donné qu'il fait encore jour, il est 9h15
et que la côte est super belle. Et que ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de chemin. Voilà, petit chemin, je te montre. Regarde ça, avec les belles vagues et tout à droite, regarde ça comme c'est gros. Attendez, qu'il fait encore jour, ouais, y a des vagues de folie. Je suis pas convaincue que tu t'en rendes compte en vidéo. Mais là, c'est gros ça. Hein. Mais en vrai, c'est énorme. Ouais, ça va péter, ça va péter. Donc on continue. Un peu de chemin. On profite de la jolie vue. Regarde là le spot là, non? Ça ressemble pas à un spot de bivouac pas trop mal là, juste là, là. Regarde-moi ça là. Tac. Dans la tente, on a vu sur... Spot de bivouac de malade. Ah ouais. Voilà, le spot improvisé. On a cru qu'on allait galérer, et je crois qu'on a trouvé un endroit bien. C'est pas trop mal, ouais. Mais pas bien là? Spot magnifique. Délogé par la police, nous voilà ici et au final, je dirais que heureusement parce que... On est encore tombé sur un endroit magnifique. Il y a des vagues de folie, on va ouvrir la tente, on va avoir vue mer, donc c'est parfait. Au final, tu vois, ça arrive pas pour rien. Voilà, on a fait beaucoup de route cette semaine parce qu'on a essayé d'aller un peu en bord de mer, on a voulu aller un peu se baigner. Ah, il faisait chaud, on a essayé un peu de s'échapper et d'aller dans du un peu plus tempéré. On a voulu avancer un peu plus rapidement vers la Galice. Et là, ça y est, on est en Galice. Et la semaine prochaine, on repart sur des chemins et on a encore 2-3 pépites à te montrer. Et puis on verra bien ce qui va se passer. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye bye. Bye, bye.